commençons ce matin avec une série qui part à partir d'un mot qui pourrait être un mot ordinaire, mais devant ce mot, on veut rajouter le extra et avoir une série intitulée donc Extraordinaire. Et quand on y réfléchit bien, nous devons vivre dans ce extraordinaire. Et nos vœux pour 2017, c'est une année extraordinaire. Alors, on va faire une introduction sur cette série aujourd'hui. Je vais être un peu plus court pour laisser du temps pour les baptêmes aussi. Mais on prendra le temps dans les semaines à venir de développer ce thème extraordinaire. Premièrement, on veut commencer en disant « Dieu est extraordinaire ». Nous avons un Dieu extraordinaire. Je ne sais pas le vôtre, mais le mien, il est extraordinaire. Extraordinaire, ça veut dire quoi? Extraordinaire, ça veut dire plus qu'ordinaire. Nous n'avons pas, je n'ai pas un Dieu ordinaire. Je n'ai pas un Dieu quelconque. Je n'ai pas un Dieu normal. Je n'ai pas un Dieu classique. J'ai un Dieu qui est plus que plus, un Dieu qui sort de l'ordinaire, un Dieu qui est extraordinaire. Vous savez, c'est un vocabulaire qu'on retrouve depuis longtemps. Déjà, à l'époque de Moïse, si on va dans Exode, chapitre 15, Exode dans l'Ancien Testament, chapitre 15, verset 11, la question est posée comme ça, « Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel ? Qui est comme toi ?» Magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges. Je relis ça dans la Bible en français courant. Seigneur, qui parmi les dieux est comparable à toi? Qui est comme toi, éclatant de sainteté, redoutable, digne d'acclamation, capable d'accomplir des prodiges? Et il faut comprendre le contexte. On est pendant des siècles dans une période où le monde entier, la planète entière, vit dans une religion polythéiste. C'est-à-dire on croit dans plusieurs dieux. On croit qu'il y a le dieu de la mer, le dieu du vent, le dieu du soleil et toutes sortes d'affaires. Avec les Grecs, ça c'est un peu plus compliqué avec l'Olympe et puis les Romains vont embarquer là-dedans aussi. Mais les Égyptiens ont leur dieu, tout le monde a une quantité de dieux, mais il y a un peuple qui dit « Le Dieu que nous avons, il est unique. Qui est comme lui parmi tous les dieux des autres peuples, des autres pays, des autres nations ? Le Dieu que nous servons, dit Israël, c'est un Dieu unique, Adonai Erad, un Dieu unique, un Dieu seul, un Dieu incomparable. À qui peut-on le comparer ? À personne. Il est grand, il est extraordinaire, il est digne d'acclamation, il est capable d'accomplir des prodiges. Et déjà, il y a quelques milliers d'années, il y a des gens qui pouvaient dire « Le Dieu que nous servons est un Dieu extraordinaire ». Et la bonne nouvelle ce matin, si certains ne l'ont pas encore saisi, c'est que Dieu n'a pas changé. Que s'il était extraordinaire à cette époque-là, il est toujours, aujourd'hui encore, extraordinaire. Et Moïse peut dire, et je lis Deutéronome chapitre 3 verset 24 dans la Bible en français courant, et c'est Moïse qui parle. Et Moïse va dire, « Seigneur mon Dieu, tu m'as montré les premiers signes de ta grandeur et de ta puissance irrésistible. Il n'y a aucun autre Dieu, ni sur le ciel, ni sur la terre, qui soit capable d'accomplir des actions ou des exploits tels que les tiens. » Et Moïse arrive à cette conclusion, aucun autre Dieu sur la terre n'est capable de faire ce que le Dieu de l'univers fait. C'est des actions, mais pas des actions ordinaires, c'est des actions extraordinaires. C'est pour ça qu'il dit des exploits comme les tiens. Dieu fait de grandes choses, c'est normal. Si notre Dieu est extraordinaire, il fait des choses extraordinaires. On ne peut pas s'attendre d'un Dieu extraordinaire à faire des choses ordinaires. On ne peut pas s'attendre d'un Dieu grand à faire des choses petites. Un Dieu grand fait de grandes choses. Maintenant, si votre Dieu est petit, il fera des petites choses. Mais mon Dieu est grand.
et il fait de grandes choses. Mon Dieu est extraordinaire et il fait des choses extraordinaires. Et vous comprenez que il y a Dieu avec un D majuscule et il y a Dieu avec un D minuscule. Les dieux, les croyances. Et on est dans une société où peut-être qu'on n'est pas dans, on va pas parler de polythéisme, mais quand même. Si les jeunes à l'école secondaire, et même ça commence au primaire, font le cours d'éthique, culture et religion, c'est ça ? Quelque chose comme ça. Et qu'est-ce qu'on enseigne aux enfants ? Que toutes les religions sont bonnes, que tous les dieux sont pareils, que toutes les croyances sont valables, et que tout est la même chose. Mais Moïse dit non, tous les dieux ne se valent pas. Il y en a un qui est incomparable, qui ne se compare pas aux autres, parce que ce Dieu-là fait de grandes choses, parce que ce Dieu-là est grand, fort et puissant. Et c'est un peu la logique du prophète Ésaïe, quand il est dit dans Ésaïe chapitre 40, verset 18, c'est un long passage, mais on va le lire ensemble. Ésaïe chapitre 40, verset 18, donc c'est un prophète Ésaïe, qui parle de la part de Dieu, et voilà ce qu'il dit. « À qui voulez-vous comparer Dieu ? À quelle image ferez-vous son égal ?» Et cette question est posée il y a très longtemps, mais on peut se la poser ce matin. « À qui voulez-vous comparer Dieu ? À qui peut-on comparer votre Dieu ?» Pour certains, Dieu, c'est une banque. On vient vers Dieu parce qu'on a besoin d'argent. Pour certains, Dieu, c'est un médecin. On vient vers Dieu parce qu'on a besoin d'une guérison. Pour certains, Dieu, c'est une maman poule qui vient réconforter quand on a un bobo, quand on est triste. Et là, le prophète Ésaïe dit, « À qui voulez-vous comparer Dieu ? Qui est Dieu pour vous ?» Verset 19, il dit, « C'est un ouvrier qui fonde l'idole. C'est un orfèvre qui la couvre d'or et il soude des chaînettes d'argent. » Et comprenez la démonstration ici du prophète. Il dit, il y a le Dieu qui est dans le ciel et les autres, c'est des statues, c'est des idoles, c'est des dieux qui ont été fabriqués. C'est un ouvrier qui a fait l'idole, c'est un orfèvre qui lui a mis de l'or, qui a fait des chaînes d'argent. Il continue verset 20. Celui que la pauvreté oblige à donner peu choisit du bois. Celui qui a les moyens, il va avoir un dieu en or. Celui qui n'a pas les moyens va avoir une statue en bois qui résiste à la vermoulure. Il se procure un ouvrier capable pour faire une idole qui tienne debout, qui ne branle pas. Verset 21, « Ne le savez-vous pas, dit le prophète au peuple d'Israël, ne le savez-vous pas, ne l'avez-vous pas appris ? Ne vous l'a-t-on pas fait connaître dès le commencement ? N'avez-vous jamais réfléchi à la fondation de la terre ?» Je dis, on fait des questions là en une seule phrase, et des questions qui devraient nous interpeller ce matin. Et si je prends le ton du prophète Ésaïe, ça devrait, en bon québécois, fesser dans le dash. Comme ça qu'on dit. Ne le sais-tu pas, ne le savez-vous pas, ne l'avez-vous pas appris ? Et peut-être que si je dis ce matin, mon Dieu est extraordinaire, quelqu'un dira, oh, il n'y a rien là, c'est que tu ne le connais pas. C'est que tu ne sais pas qui est Dieu. Réfléchis. Ne vous l'a-t-on pas fait connaître dès le commencement ? N'avez-vous jamais réfléchi à la fondation de la terre ? On a chanté « Combien Dieu est grand ?» On a chanté « Quand on considère tout ce que Dieu a fait, de tout mon âme, tout mon cœur, alors s'élève un chant, c'est ce Dieu tout-puissant qui a fait les cieux et la terre. » Avez-vous réfléchi sur le sens de la vie ? D'où vient les astres, l'univers, la terre ? N'avez-vous jamais réfléchi à la fondation du monde ? Verset 22, « C'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre » et ceux qui l'habitent sont comme des sauterelles. Il étend les cieux comme une étoffe légère, il les déploie comme une tente pour en faire sa demeure. C'est lui qui réduit les princes à rien et qui fait des juges de la terre une vanité. Ils ne sont même pas plantés, même pas semés, leur tronc n'a pas même de racines en terre. Il souffle sur eux et se dessèche et un tourbillon les emporte comme le chaume. Et voilà la question. À qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble, dit le Saint.
Et Dieu pose cette question, à qui comparez-vous Dieu ce matin? En d'autres termes, qui est Dieu pour vous? Est-ce que la réponse est « mon Dieu est unique, incomparable, il n'y en a pas deux comme lui, il est extraordinaire ». Verset 26, « levez vos yeux en haut et regardez qui a créé ces choses, qui fait marcher en ordre leur armée, les appelle toutes par leur nom, par son grand pouvoir et par sa force puissante, il n'en est pas une qui fasse défaut. Pourquoi ?» Encore une autre question. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Et comprenez ici qu'il y a du reproche, que le prophète est en train de faire un reproche à son peuple. Et il est en train de dire, mais pourquoi est-ce que tu parles ainsi? Pourquoi est-ce que tu dis des choses qui ne sont pas vraies? Pourquoi est-ce que tu dis, Dieu ne se soucie pas de moi, c'est ce que ça veut dire. Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu. Dieu n'a même pas fait attention que j'avais besoin de lui. Dieu ne s'occupe pas de moi. Mais le prophète dit, pourquoi dis-tu cela? Et si ce matin, tu penses que Dieu t'a oublié, si ce matin tu crois que Dieu ne pense pas à toi, que ta destinée est cachée, que ton droit passe inaperçu, le prophète, au travers de cette parole qui pourtant a été annoncée il y a longtemps au peuple d'Israël, veut te parler ce matin. Et l'Esprit de Dieu veut te dire, pourquoi est-ce que tu parles comme ça? Vous savez, on a souvent tendance à croire que les autres sont comme nous. Vous avez remarqué ça? Et quand quelqu'un fait quelque chose, ou quand quelqu'un est dans une situation, on est quasiment sûr qu'il va agir comme nous, on aurait agi dans cette situation-là. Est-ce que vous avez remarqué ça? Si vous êtes du genre à vous contrarier, à vous fâcher facilement, eh bien, si vous avez fait quelque chose de contrariant, vous pensez que l'autre personne va agir de la même manière que vous, vous auriez agi si vous étiez à sa place. Est-ce que vous me suivez? Mais malheureusement, beaucoup font ça avec Dieu et pensent que Dieu agit de la même manière que eux agiraient s'ils étaient à la place de Dieu. Que certains pensent que Dieu, il agirait ou il se contrarierait ou il ferait de telle et telle manière, parce qu'on disait, moi, si j'étais à sa place, c'est comme ça que je ferais. Mais Dieu n'est pas comme vous. Il est incomparable. Et heureusement. Et Dieu est au-dessus de toutes ces choses. Pourquoi dis-tu, arrête de dire, Dieu m'a oublié. Peut-être que toi, tu es capable d'oublier quelqu'un, mais Dieu, il n'oublie pas. Et même le prophète va dire, quand bien même une mère, puis on a vu des bébés ce matin et des mamans, et peut-être qu'ils vont dire, non, c'est pas possible. Mais le prophète le dit, quand bien même une mère serait capable d'abandonner son enfant, Dieu dit, moi, je ne vous abandonnerai jamais. Et on dit, ça en prend pour qu'une mère abandonne son enfant. Mais Dieu dit, mais moi, je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas comme ça. On ne peut pas comparer Dieu à ce que font les hommes. On ne peut pas comparer l'amour de Dieu à l'amour des hommes. On ne peut pas comparer la justice de Dieu à celle des hommes. On ne peut pas comparer la grandeur de Dieu à celle des hommes. Verset 28. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel. C'est ce que veut dire son nom. Le Dieu d'éternité. Ça veut dire quoi, le Dieu d'éternité? C'est le Dieu qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin. Le Dieu de l'infini. Un Dieu infiniment grand. Des fois, on chante ça. Un Dieu qui est là dans l'infini, c'est-à-dire qui n'a pas de fin, qui n'a pas de finitude. L'infini, c'est plus grand que ce qu'on est capable d'imaginer. Si vous vous souvenez, quand on fait des mathématiques, il y a des chiffres qui peuvent être très grands et il y a l'infini. Et on dit, mais qu'est-ce qui est plus grand que l'infini? Rien. Il n'y a rien de plus grand que l'infini. L'infini, c'est incomparable. On ne peut même pas le mesurer. Et Dieu est dans cet infini. Il est éternel, le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point. Il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Et pourquoi le prophète doit dire « il ne se fatigue point » Parce que les hommes pensent que Dieu est fatigué.
parce que les hommes pensent que Dieu est lassé. Combien de personnes? Est-ce que ça, franchement, entre vous et moi, ça vous est jamais arrivé de dire « Dieu doit être tanné avec moi. Je dois le fatiguer pas mal, à peu près. » Croyez pas? Ça vous est jamais arrivé de penser ça? Et de dire « Mais après tout ce que j'ai fait, comment Dieu voudrait encore de moi ?» Dieu doit être fatigué avec mes caprices, avec mes erreurs, avec mes échecs. Combien de fois vous avez dit à Dieu « Seigneur, c'est la dernière fois, je te le promets. » Puis vous avez continué à le faire pareil. Puis à un moment donné, le diable vient dire dans votre oreille « Hé, Dieu, il en a marre de toi, là. Dieu, il est tanné, il est fatigué, hein, il est lassé. » Mais le prophète dit « Non, c'est pas mon Dieu. Mon Dieu, c'est un Dieu d'éternité. Un Dieu qui ne se fatigue pas. Un Dieu qui ne se lasse pas. Et son amour n'a pas de fin. » Et vous pouvez peut-être vous, en disant « Mais moi, si j'étais à sa place, je dirais, ça va faire. » Mais Dieu, lui, il n'est pas comme vous. Et il continue à vous aimer malgré tout. Et même si dans votre cœur, tu penses, même si dans ton cœur, tu penses que tu as dépassé une limite, Dieu n'a pas de limite. Son amour est grand et il est incomparable. Verset 29, il donne de la force à celui qui est fatigué, il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point, parce que notre Dieu est extraordinaire. Deuxièmement, on a un Dieu extraordinaire qui nous aime d'un amour extraordinaire. Et parler de Dieu sans parler de son amour, ce n'est pas possible. Même l'apôtre Jean va jusqu'à dire « Dieu est amour ». Ça le caractérise, c'est ce qui l'identifie, il est amour. Et c'est pour ça que j'ai cité l'apôtre Jean en premier, l'amour de Dieu est grand. À tel point que Jean va dire dans sa première épître, 1 Jean chapitre 3 verset 1er, il dit « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu et nous le sommes. » Et l'apôtre Jean dit, vois, constate, sois pas aveugle, voyez de quel amour, voyez quel amour le Père nous a témoigné. Est-ce que vous le voyez? Est-ce que vous voyez l'amour de Dieu? Est-ce que vous voyez combien est grand cet amour? L'apôtre Paul va même, en ce qui concerne l'amour de Dieu, va parler de quelque chose. Alors, l'apôtre Paul utilise des mots compliqués des fois, hein, il dit quelque chose d'incommensurable, de quelque chose dont on ne peut pas mesurer la longueur, la hauteur, la largeur, la profondeur, quelque chose qui n'est pas mesurable tellement c'est grand. Et il parle de l'amour de Dieu, parce que l'amour de Dieu, ce n'est pas un amour ordinaire, c'est un amour extraordinaire, c'est un amour qui sort de l'ordinaire. L'apôtre Paul dit aux Romains, Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. L'apôtre Paul est clair, il dit, ce n'est pas juste une simple croyance, Dieu l'a prouvé. Il ne nous a pas simplement dit qu'il nous aimait, il l'a montré. Et l'apôtre Jean nous dit, il nous cite cette parole de Jésus, que Dieu a tellement aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que celui qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. L'amour de Dieu, ce n'est pas juste un mot, ce n'est pas juste un concept, ce n'est pas juste une phrase. L'amour de Dieu a été manifesté en ce que Dieu a donné son Fils unique. Dieu prouve son amour. Est-ce que ce matin, vous avez conscience de l'amour extraordinaire de Dieu? Vous savez, des fois, on est dans un système religieux, dans les habitudes et les traditions, puis on dit « oui, Dieu m'aime, je le sais, Dieu est amour, Dieu aime tout le monde ». Non, non, si tu réalises à quel point Dieu t'aime, ça va changer ta vie. Tu ne peux plus être indifférent, tu ne peux pas vivre de la même manière quand tu réalises la grandeur de l'amour de Dieu. Quand tu réalises jusqu'où il est allé pour que tu échappes à la colère de Dieu, et que tu sois sauvé. Quand tu réalises ces choses, tu ne peux plus vivre
autrement qu'en réponse à cet amour, qu'en action de grâce, qu'en reconnaissance. Cet amour vient changer ta vie. Maintenant, si l'amour de Dieu pour toi est juste un concept intellectuel, ça ne va pas avoir beaucoup d'impact. Mais si, comme dit le prophète et comme dit l'apôtre Jean, tu vois de quel amour Dieu t'a aimé, ça va bouleverser ta vie. Et si on a des baptêmes aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des gens, parce qu'il y a des hommes, il y a des femmes qui ont été touchés par l'amour de Dieu et qui disent « Dieu a changé ma vie, il a bouleversé ma vie ». Romains chapitre 10, verset 8, l'apôtre Paul dit « Que dit-elle donc cette parole ? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, et c'est la parole de la foi que nous prêchons, et c'est ce que nous voulons faire ». Et l'apôtre Paul dit « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé ». C'est une question de salut. Et il dit, ce salut, il est en Jésus. Et pour recevoir ce salut, il faut croire dans son cœur. Il faut accepter, il faut réaliser la grandeur de l'amour de Dieu. Mais il dit aussi, si tu confesses de ta bouche. Et dans quelques instants, on va avoir des hommes et des femmes qui vont confesser le nom du Seigneur Jésus et dire, il est mon sauveur, il est mon Seigneur, je n'ai pas honte, j'ai décidé de suivre Jésus. Verset 10, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera pas confus. Il n'y a aucune différence en effet entre le juif et le grec puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Vous savez, Dieu est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Et des fois, il y en a qui ont peur de ruiner Dieu, de ruiner Dieu. Vous avez noté ça? En disant, ah Seigneur, je ne veux pas abuser. Je ne veux pas trop en demander. Pourquoi? Tu as peur que Dieu n'en ait plus? Que Dieu ait plus de bonté à donner? Que Dieu... Non, non, Dieu, il est au-dessus de tout ce que tu es capable de penser et d'imaginer. Il est extraordinaire. Il est riche en bonté, il est riche en amour, il est riche en bénédiction pour chacun d'entre nous. Et il ne faut pas sous-estimer. Et il dit au verset 13, « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » J'arrive au troisième point pour ce matin, avant de conclure. Troisièmement, une vie extraordinaire. Et là, c'est un point sur lequel on va insister dans les semaines à venir. Une vie extraordinaire. S'il fallait qualifier ta vie, s'il fallait dire en un mot, c'est quoi ta vie? Est-ce que ta vie est plate? Est-ce que ta vie est triste? Est-ce que ta vie est fade? Est-ce que ta vie est monotone? C'est quoi ta vie? Et j'aimerais que beaucoup ou que tous, et même ceux qui nous écoutent à la télévision ou sur Internet puissent dire avec moi, ma vie est extraordinaire. Vous savez, quand on est chrétien, quand l'Esprit de Dieu nous habite, quand on a Jésus, on ne peut pas avoir une vie ordinaire quand Jésus vit en nous. Parce que quand le roi du ciel, quand le Seigneur des seigneurs, quand celui qui nous a aimés d'un amour si grand, si fort et si puissant habite en nous. Est-ce qu'il y en a ce matin qui peuvent dire, j'ai accepté Jésus dans ma vie, je l'ai invité à vivre en moi, il vit en moi, je crois dans sa parole, il a dit, le Père et moi nous viendrons faire notre demeure en lui, je le crois. Si tu le crois ce matin, si c'est effectif, comment est-ce que dans ta vie, comment ta vie pourrait être plate si Jésus vit en toi? Comment est-ce que ta vie pourrait être ordinaire si le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu de l'univers habite en toi? Comment est-ce que ta vie pourrait être fade si l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en toi? Et il y a un problème. Il y a un problème quand on dit qu'on est chrétien et quand on a une vie comme un non-chrétien. Il y a un problème quand on dit qu'on a la lumière et qu'on vit comme s'il n'y avait pas de lumière. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Celui qui croit ne marchera plus dans les ténèbres. Et quand un chrétien n'a pas une vie extraordinaire,
C'est comme si la lumière était éteinte. Quand Jésus vit en nous, waouh! Non? Vous savez, des fois, on s'habitue. Hein? Ça s'appelle la religiosité, la religion, la tradition. Il ne faut pas que 2017 soit une année comme les autres. Ça doit être une année extraordinaire. Parce qu'on a un Dieu extraordinaire. Il ne faut pas que ta vie soit une vie comme les autres. Franchement, quelle tristesse quand la vie d'un chrétien ressemble à la vie d'un non-chrétien. Quelle tristesse quand la vie d'un chrétien a rien de plus que quelqu'un qui n'a pas Christ. Un peu comme si quelqu'un disait « Moi, j'ai Christ dans ma vie, mais ça ne change rien. » Mais ça change tout. Si ça ne change rien dans ta vie, il y a un problème. Si tu dis « Moi, Christ habite en moi, mais il n'y a rien. » L'apôtre Paul dit « Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. » Si tu es chrétien, si Christ habite en toi, si tu as reçu la bonne nouvelle de l'Évangile, ta vie ne peut être que extraordinaire. Et tu dis, je ne suis pas là encore. Eh bien, on va faire des progrès en 2017, ne croyez pas? Et il faut qu'on vive dans ce surnaturel, dans ce extraordinaire. On a un Dieu qui est grand, qui veut faire de grandes choses, qui fait de grandes choses. Et il en fait déjà. Il en a fait en 2016, mais il en fera en 2017. Et un Dieu qui ne veut pas nous donner un peu, mais qui nous a tout donné. Et on ne peut pas vivre une vie plate quand on est chrétien. Enfin, comprenez, quand je dis chrétien, ce n'est pas juste une étiquette. Hein. Ce n'est pas juste un mot. Ce n'est pas juste dire « Ah, j'ai été baptisé chrétien, donc je suis chrétien. Je suis dans un pays chrétien, donc je suis chrétien. Mes parents sont chrétiens de tradition, donc je suis chrétien. » Non, un chrétien, la première fois qu'on a appelé quelqu'un chrétien, c'était dans la ville d'Antioche. On a ça dans le livre des Actes des Apôtres. Et vous savez pourquoi on les a appelés chrétiens? Parce qu'ils ressemblaient à Christ. Aujourd'hui, un chrétien, ça doit toujours être celui qui ressemble à Christ. Quelqu'un qui se dit chrétien et qui ne ressemble pas à Christ, c'est un imposteur. C'est quelqu'un qui utilise un nom qui n'est pas le sien. Quelqu'un qui dit « Moi, la puissance de Dieu habite en moi, mais ça ne se voit pas », il y a un problème. Il y a un problème. Si Christ habite en toi, regardez ce que dit Jésus dans l'évangile de Jean, chapitre 10, verset 9. Jésus dit « Je suis la porte ». Vous savez, soit tu es d'un côté de la porte, soit tu es de l'autre côté. Tu ne peux pas être au milieu. Hein. Il dit « Je suis la porte ». Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Est-ce qu'il y en a qui sont entrés? C'est soit tu es rentré, soit tu n'es pas rentré. Mais Jésus dit, s'il entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira, il trouvera des pâturages. Et si quelqu'un dit, mais ma vie c'est un désert, tu fais Jésus menteur. Comprends bien, il peut y avoir des problèmes, il peut y avoir des difficultés. L'apôtre Paul était capable de chanter quand il était en prison. Je ne parle pas ici de désert et de difficultés de la vie. Il peut y avoir la maladie, il peut y avoir le chômage, il peut y avoir toutes sortes d'adversités. Mais est-ce que dans ton cœur, il y a de verts pâturages? Est-ce qu'il y a des eaux paisibles? Est-ce qu'il y a de la joie? Est-ce qu'il y a de l'extraordinaire au plus profond de toi? Il dit, il trouvera des pâturages. Le voleur, lui, il ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, dit Jésus, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. Il y en a qui comprennent mal ce verset, ils parlent un petit peu de prospérité. Non, Jésus est en train de dire, je donne ma vie pour que mes brebis aient la vie. Est-ce que tu as la vie de Jésus? Et il ne dit pas un peu, mais qu'ils aient la vie en abondance. Et c'est ça la vie chrétienne, c'est de l'abondance. Ce n'est pas un peu de joie, c'est beaucoup de joie. Ce n'est pas un peu de paix, c'est le prince de la paix qui habite en nous. Ce n'est pas un peu de réconfort, c'est le Dieu de toute consolation. Ce n'est pas un peu d'amour, c'est l'amour de Dieu qui nous envahit. Et c'est ça la vie chrétienne. Éphésiens chapitre 1, verset 3, l'apôtre Paul dit « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis
de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. L'apôtre Paul, il est catégorique ici. Il ne dit pas « j'ai été un peu béni ». Il dit « j'ai tout reçu, j'ai été béni de toute bénédiction spirituelle ». Est-ce qu'il y en a qui peuvent dire ce matin, « moi, quand Jésus vit en moi, quand je suis devenu chrétien, ce n'est pas juste un peu de lui que j'ai reçu, c'est tout. De toute bénédiction spirituelle. » Ah, le diable, c'est un menteur. Il est capable de vous faire croire que vous avez perdu alors que vous avez gagné. Vous avez remarqué ça? Le diable, le principe du mensonge, c'est vous dire le contraire de la vérité. Jésus dit, je t'ai tout donné, et le diable dit, tu n'as rien reçu, tu es misérable et tu es pauvre. Qui est-ce que tu crois? Crois l'amour de Dieu ce matin. Philippiens, et je vais arriver à la, finir avec ça, dans Philippiens, je vais aller directement au verset 21. Philippiens chapitre 1er, verset 21, l'apôtre Paul, dans cette simple phrase, dit « Christ est ma vie et mourir m'est un gain ». Est-ce qu'on connaît cette phrase? On la connaît peut-être par cœur, mais il faut la comprendre ce matin. « Christ est ma vie et mourir m'est un gain ». L'apôtre Paul va dire « Christ, c'est toute ma vie. C'est pour lui que je vis. Il est le cœur, le centre, il est ma vie. » À tel point que mourir, j'y gagne. Ça veut dire ça, hein? Et mourir m'est un gain, ça veut dire que si je meurs, j'y gagne. On a fait des funérailles hier, et c'est moi vous dire que Claudette, quand on a parlé avec elle, ma femme a eu du temps avec elle aussi, elle était heureuse de partir, parce qu'elle savait qu'elle y gagnait de l'autre côté. Ce matin, est-ce qu'il y en a qui sont prêts à mourir? De dire oui, c'est pas bien gay hein, comme message de début d'année là. Non, on va pas faire de suicide collectif, je vous rassure. Mais c'est une question qui devrait se poser. Si tu as peur de mourir, c'est quoi ta foi? Qu'est-ce que tu crois qu'il y a de l'autre côté de la mort? Si tu as une conviction, si tu as une assurance, s'il y a une certitude, l'apôtre Paul dit, j'ai hâte de mourir, parce que de l'autre côté, c'est beaucoup mieux que ce qu'il y a ici. Et c'est assez facile à imaginer que, waouh, de l'autre côté, c'est beaucoup mieux que ce qu'il y a ici. Et j'y gagne. Maintenant, c'est une question de foi. Mais pourquoi est-ce qu'il peut dire, mourir m'est un gain? Il dit, c'est parce que Christ est ma vie. J'arrive à la conclusion, et dans la conclusion, je vais juste lire un texte, celui de 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 14. Et l'apôtre Paul, ici, dans cette conclusion, va faire une louange, il va rendre gloire à Dieu. Et voilà pourquoi il rend gloire à Dieu, parce que Dieu est extraordinaire. Et il dit 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 14, peut-être que les musiciens pourraient s'approcher. 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 14, il dit « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. » Est-ce que ce matin vous pouvez dire « Amen » à cette doxologie, à cette prière? Est-ce que vous pouvez dire « Amen, Dieu me fait toujours triompher. Mon Dieu est extraordinaire. Il m'amène dans une vie extraordinaire, une vie de triomphe, une vie de victoire en Christ. Nous sommes en effet, pour Dieu, le parfum de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. » L'apôtre Paul prend une image intéressante, il dit. Ici, il dit, vous êtes le parfum. Je vous autorise à renifler votre voisin. Et la question, c'est, ça sent bon ou pas? De quel parfum il parle? Voilà ce qu'il dit. Il dit, aux uns, une odeur de mort donnant la mort, aux autres, une odeur de vie donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses? L'apôtre Paul dit, c'est quoi le parfum? C'est quoi l'odeur que tu as dans ta vie? Si ta vie n'a pas d'odeur, elle est fade, insipide, un peu comme le sel qui a perdu sa saveur. Si ta vie n'a pas d'odeur, tu passes inaperçu. Vous savez, quand quelqu'un a une odeur forte, vous l'avez repéré vite, hein? Non?
quand quelqu'un rentre dans une pièce puis ça sent fort, ouh, il y a quelqu'un qui est rentré. Si quelqu'un rentre qui n'a pas d'odeur, on n'a même pas fait attention que quelqu'un est rentré. Maintenant, c'est quoi l'odeur qu'on a? Si Jésus est en toi, il faut qu'il y ait une odeur. S'il n'y a pas d'odeur, si c'est plate et insipide, il y a un problème. Et il dit, ça doit être une odeur de vie et une odeur de mort. Il dit, qui est suffisant pour ces choses? Il dit, on n'est pas capable par nous-mêmes d'avoir ce bon parfum. Mais grâce soit rendue à Dieu, c'est lui qui nous aide à avoir un bon parfum. Et j'ouvre juste une parenthèse peut-être pour expliquer un peu le verset. Il y en a qui vont dire, comment ça aux uns une odeur de vie et aux autres une odeur de mort, hein? Aux uns une odeur de mort donnant la mort, aux autres une odeur de vie donnant la vie. Je fais juste une petite parenthèse là-dessus. Aux uns, aux autres. Pour l'instant c'est clair. D'un côté il y a les uns, de l'autre côté il y a les autres. Aux uns, une odeur de mort qui donne la mort, aux autres, une odeur de vie donnant la vie. Et au verset 15, il y a aussi les uns et les autres. Il dit, parmi ceux qui sont sauvés, parmi ceux qui périssent. Vous me suivez? Parmi ceux qui sont sauvés, les uns, parmi ceux qui périssent, les autres. Alors maintenant que j'ai mis ça, ça c'est le verset 15, le verset 16, aux uns une odeur de mort parmi ceux qui sont sauvés, donnant la mort, aux autres une odeur de vie parmi ceux qui périssent. Alors on va prendre la deuxième partie, c'est plus facile à expliquer. Pour ceux qui périssent, on doit être une odeur de vie, une odeur qui amène la vie. Vous êtes d'accord avec ça? Le bon parfum de Christ, c'est une odeur de vie pour ceux qui périssent. Maintenant, je reviens aux uns. On a commencé par les autres. Pour ceux qui sont sauvés, on doit être une odeur de mort, donnant la mort. Vous dites, si, comprenez-moi bien. Pour ceux qui sont sauvés, entre chrétiens, on doit être ceux qui rappellent la mort de Christ et qui nous amènent à mourir à nous-mêmes et pas à être de ceux qui mettent notre propre vie en avant, mais qu'on doit s'encourager, s'exhorter les uns les autres à mourir à soi-même pour vivre avec Christ. Je referme ma parenthèse. Et au verset 17, l'apôtre Paul finit en disant, « Car nous ne falsifions point la parole de Dieu comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. » Et c'est ce que nous voulons faire ici. Nous ne voulons pas tricher avec la parole, mais nous voulons au contraire la proclamer de la part de Dieu en Christ devant Dieu. On prie ensemble. Seigneur, nous sommes dans ta présence ce matin. Nous réalisons que nous sommes dans la présence d'un Dieu extraordinaire. Pardonne-nous les fois où nous sommes tombés dans une routine et nous avons oublié à quel point tu es grand, fort et puissant. Seigneur, donne-nous de réaliser ce matin encore que tu es un Dieu grand. Seigneur, nous voulons encore nous souvenir de la grandeur de ton amour. Ton amour pour nous est extraordinaire. Et si quelqu'un ce matin n'a pas compris la grandeur de ton amour à son égard, je prie que l'Esprit de Dieu le dirige, le conduise et l'amène à réaliser ce matin combien tu l'aimes et que tu as prouvé cet amour en mourant sur une croix pour lui. Seigneur, donne-nous de réaliser que c'est une vie extraordinaire à laquelle tu nous appelles. Nous ne sommes pas appelés à être dans une vie plate, monotone, fade, mais que nous ayons cette bonne odeur de Christ et que nous vivions cette vie extraordinaire des enfants de Dieu. Et pour cela, nous sommes reconnaissants et nous rendons grâce à Dieu le Père. Merci Seigneur pour ta présence dans ce lieu ce matin. Amen.